Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans le grand live du lundi de Footnet. Et ce lundi, nous allons, j'allais dire travailler, mais plutôt aussi nous amuser avec deux acteurs de la Division 3 Série B cette fois. Mais avant de découvrir qui est avec nous ce soir, nous allons évidemment commencer par la question du concours hebdomadaire, un concours qui est possible, rendu possible par notre partenaire, l'équipementier Oulsport. Et nous allons d'abord commencer par la question du jour, donc qui a à gagner un équipement Oulsport, streetwear, comme on dit également, le haut et le bas. Vous voyez le haut sur votre image, c'est en gris, mais ça peut être en rouge, en vert, en d'autres couleurs aussi. Nous prendrons contact avec le gagnant pour savoir quelle couleur et quelle taille, évidemment, il souhaite. Venons-en à cette question. Quel est le nombre de buts inscrits lors de cette 13e journée en D3 ACFF Série B? Juste un indice, on n'est pas arrivé à 30. Vous avez toutes les missions pour répondre à la question. Vous pouvez répondre plusieurs fois avec l'onglet « Commentaires » uniquement. Donc, vous pouvez répondre 10 fois, 20 fois. Ça multipliera, bien sûr, vos chances de gagner cet équipement. Vous voyez dessus, je le répète, vous venez de le voir du moins, cet équipement. Oulsport, j'ai parlé du concours. Pour nos deux invités, il y a aussi la possibilité de répondre évidemment à toutes vos questions durant l'émission. Nous essayerons d'en sélectionner quelques-unes de questions pour nos deux invités tout au long donc, des différentes rubriques. Voilà, on va pouvoir découvrir qui est avec nous ce soir. On lance un petit jingle et on est parti. Voilà, deux acteurs de la D3B. J'espère qu'ils m'entendent bien, puisque notre principal stress de chaque semaine, c'est souvent la connexion. Ça fait partie du jeu, parce qu'on s'en va un petit peu partout. J'allais dire dans la Belgique, mais là, on est dans la partie francophone du pays. On va commencer par Anthony Lorenzon, le buteur de Honhé. Anthony qui nous reçoit depuis son domicile de Courcureur. Un petit test, est-ce que tu nous entends bien, Anthony? Je t'entends très bien. Allez, bonsoir Anthony. Anthony qui bonsoir. Est employé dans une entreprise de décoration au quotidien. Je l'ai dit, avant-centre pivot de Honhé à l'heure actuelle. Il a été formé à l'Olympique de Charleroi et au Sporting de Charleroi. Et puis, il est passé par 10 clubs, et oui, déjà, de National. Mais c'est vrai que j'ai oublié de donner son âge. Il a quand même déjà 34 ans. Donc, c'est un peu normal aussi qu'il ait déjà connu certains club comme l'UR Namur, comme Ciney, comme Verviers, Épinay-l'Ambussard, Châtelet, Châtelet-Farciennes, je pense même, la dénomination exacte est Woluwe-Zaventem, Liège, Rebec, Couvain et Honhé. Je pense, Anthony, que vous avez été champion avec Woluwe en D3 et avec Châtelet-Farciennes, avec qui vous êtes monté jusqu'en D2 à CFF, juste, pas juste, il y a un complément d'info par rapport à tout cela, Anthony? Non, c'est très bien ça. Donc, en D3 avec Zaventem, dans la première année, on était champion pour rejoindre l'ancienne D2. Et donc, la deuxième fois champion, c'était avec Châtelet-Farciennes. Et là, c'était la D2 amateur champion pour aller en D1 amateur. Allez, le plus grand souvenir dans tous ces clubs-là, au jour d'aujourd'hui, à chaud comme ça, ce serait quoi, Anthony? Il y en a beaucoup des grands souvenirs, j'en ai pas un qui me vient comme ça. Maintenant, c'est clair que les deux titres de champion, c'est clair que c'est deux beaux souvenirs dans ma petite carrière. Oui, petite carrière quand même très intéressante, puisque vous avez toujours été un bon buteur, 22 buts, c'est votre record avec Châtelet-Farciennes. C'était en promotion en D3 ça, Anthony? 22 goals, non, c'était en D2 amateur, l'année où on a été champion en D2 amateur. Voilà, pour le moment, vous êtes à 12 buts en 13 matchs avec Honhé. On en parlait juste avant le début de cette émission. Il y a 4 matchs durant lesquels vous n'avez pas marqué. Herstal, tout au début du championnat. Et puis, un peu plus récemment, Gouvy, disons, oui. Vous êtes un peu grippé, entre guillemets, pour le moment. Ça tourne un peu moins bien. Ça tourne un peu moins bien, forcément, quand on ne marque pas. Maintenant, voilà, je crois que
quand on atteint directement les 12 buts en autant de matchs. Ben voilà, je crois qu'il y a les défenses et les équipes adverses commencent aussi à connaître aussi les déplacements avec ça, et comment on voit qu'on est quand même suivi par les vidéos. Donc voilà, ça va m'adapter et à essayer de marquer de nouveaux goals. Ouais, la saison est encore bien longue, encore 17 matchs, Anthony. Donc, il y a encore la Ouais. place et le temps pour battre ce record. Toute dernière chose à ce stade, comment voyez-vous la suite de votre carrière, sachant que vous avez 34 ans aujourd'hui? Difficile à dire. J'essaye tant que en tout cas le physique me le permet, je vais continuer le plus haut possible. Après, voilà, je prends année après année. J'ai encore un an de contrat ici avec Onwe. Et je verrai bien. Je verrai bien. Peut-être dans un coin de ma tête, je me vois peut-être entraîner. Maintenant, j'ai pas encore fait les démarches pour le faire. Voilà, quand je vous dis, c'est dans un coin de ma tête. Et voilà, je verrai bien en fin de saison comment ça se passera. Et voilà, je ne fais pas de plan. Vous pourriez être joueur-entraîneur d'un club comme Nalin, qui fonctionne très bien, qui est juste à côté de Courseureur, ou aussi tout près aussi, Tillechâteau, hein, qui essaye de en deuxième provinciale. Excuse-moi, mais je t'entends très mal. M'entendez un peu mieux là? Maintenant, oui. Pas extra pour le moment. Ah, voilà. Ça. Il y a des hauts et des bas dans cette connexion. Je disais, allez, devenir joueur-entraîneur à un moment donné dans un club comme Nalin, qui est tout proche de votre domicile et qui fait de très beaux résultats pour le moment. Je crois qu'ils n'ont pas connu la défaite en troisième provinciale. Ils vont monter vers la deuxième. Voir Tillechâteau, hein, qui est un club aussi que vous connaissez bien, qui est en troisième provinciale et qui cherche à monter en P2, qui le fera peut-être en fin de saison. Des clubs ainsi, allez, pour la fin de sa carrière, comme joueur-entraîneur, vers les 38-40 ans, ce serait une belle approche, Anthony. Et à titre. Problème de connexion. J'ai pas entendu la fin de ta question, Oui, mais le début, oui. si j'ai bien compris. Oui, le début, oui. C'est difficile à dire. Encore une fois, c'est un peu tôt pour en Oui, parler. je veux dire Maintenant, dans pourquoi pas? l'absolu. Dans l'absolu, des clubs comme Nalin, comme Tillechâteau, parce que sur les petits villages tout proches, ça pourrait vous intéresser comme joueur entraîneur un jour. Oui, bien sûr, bien sûr. On verra. J'ai pas encore eu de discussion par rapport à tout ça, mais c'est une chose qui pourquoi pas me ferait plaisir. Après, on verra. On verra. Alors, vite une petite question, une question pour vous pour le moment, Anthony, de Jérôme Coriette. Quand on va à l'école, on rêve tous les jours d'avoir un 20. On est à la chance d'en avoir un dans son équipe et même tous les jours. Bravo, Anthony. Ce n'est pas une question, donc c'était une réflexion de Jérôme Coriette. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, Anthony. Non, 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 je crois pas. Voilà, mais c'est un de vos nombreux supporters anonymes. Il est temps de présenter notre deuxième invité qui nous attend sagement, qui aime bien hein, Footnet, on l'a déjà vu quelques fois. Et je vois qu'il est tout sourire, Manu Papalino, 38 ans, le T1 du RFC. Oui, bonsoir Manu. Bonsoir Philippe, bonsoir Renaud. Voilà. Je crie un peu plus fort parce que j'ai peur que vous ne m'entendez pas du côté de votre domicile de Serein, mais apparemment, tout se passe bien là pour la connexion pour le moment. Vous êtes employé à l'administration, non, employé administratif, pas l'administration de Serein, mais employé administratif à la Haute École de Serein. Donc, vous côtoyez des étudiants au quotidien. Ben pour le moment, ça ne va pas trop mal pour votre première expérience avec oui, puisque c'est votre première expérience, la première saison
au niveau national aussi comme coach, puisque vous avez surtout entraîné une équipe en P3, P4. Cette équipe, c'était Grasse Hologne. 6 ans là-bas, c'est là que vous avez appris le métier. Mais comme joueur en national, on va parler que des clubs de national, parce qu'il y en a beaucoup aussi. J'ai parlé de 10 clubs pour Anthony, mais vous, c'est pas loin, 10, 10, et même peut-être plus. Mais vous avez joué en national au Football Club Liégeois, à Eupen, à Amoire et Lac-la-Mine. Voilà, ben oui, pour le moment, je le disais, c'est un début de championnat. On va y venir à travers d'autres questions tout à l'heure. Je vais juste vous demander, Manu, pourquoi cette équipe de Wii semble beaucoup plus forte à l'extérieur? Je veux dire, par là, vous prenez beaucoup plus de points que chez vous au site Le Grand. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est une question qu'on se pose avec mon staff. On se pose beaucoup la question parce qu'on s'entraîne sur notre synthétique mardi et jeudi. Et pour le moment, on a pris 4 points à domicile, le reste est à l'extérieur. Je ne sais pas l'expliquer parce que normalement, on dit qu'on doit être plus fort à domicile avec nos supporters et en connaissant notre terrain. Mais pour le moment, voilà, on prend des points à l'extérieur. On a gagné à l'extérieur aussi. Maintenant, nos meilleurs matchs, on les a quand même faits à domicile en termes de contenu. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose et à laquelle j'ai du mal à répondre pour le moment. Oui, et vous sortez tout juste d'un super résultat, un 0-0 à Honwé. Honwé qui, faut-il le rappeler, a battu le meneur, le leader actuel de la D3B Rochefort, 5 buts à 1. Donc, dans l'absolu, c'est un bon résultat. On va en reparler. Cela étant, en 2, 3 mots, là, comme ça, très rapidement, hein, pas s'étendre, Manu. On est heureux quand on revient à un 0-0 et qu'on a muselé l'autre invité du jour, Anthony Lorenzo. On est plus qu'heureux. C'était ce que je voulais au départ, c'est d'aller chercher un point. On y est arrivé. Je pense qu'il y a très peu d'équipes qui vont aller s'imposer là-bas à Aoé. Et nous, on a pris un point et je suis très content de ce point. Et vous pouvez donner le secret aux autres coachs. Comment avez-vous fait pour prendre ce point? Le travail, des séquences vidéo, des heures et des heures passées à analyser l'autre équipe. Et des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Mais ici, samedi soir, on a été très solide. On a fait un bloc compact. On a cadenassé, comme vous l'avez dit, notre l'invité. On a cadenassé. On a essayé de, oui, Anthony, on a essayé de regarder à tout. Et c'est vrai que, il a parlé de déplacement. Il a parlé de son but, parce que souvent, c'est dans les mêmes caractéristiques qu'il fait beaucoup de déplacements latéraux, etc. Et on avait cadenassé là. J'avais un petit peu peur parce qu'on a quand même beaucoup de jeunesse dans notre groupe. Et voilà, je leur avais dit une seule erreur, se payera cash. Et ici, voilà, ici on a fait 90 minutes où on n'a pas fait d'erreur. Et pour le même prix, en fin de match, on aurait pu peut-être prendre les 3 points, même si ça n'aurait pas été mérité. Mais voilà, en fin de match, il y a eu une petite occasion, on va dire, en fin de match où le keeper de Hoé a manqué de se trouer. Et encore un peu, on ramène les 3 points. Donc voilà, donc 1 point, c'est juste très bien. Oui, et Anthony a quand même marqué un but. On en a parlé un petit peu avant l'émission. Ce but a été annulé. Question de millimètre pour vous, au fond de vous-même, maintenant qu'on est en dehors de ce match, but ou pas but, Anthony? D'où je But suis, valable moi, ou pas? voilà, d'où je suis, c'est impossible parce que j'étais spectateur, j'étais pas sur le banc samedi, donc c'est impossible à voir. J'ai regardé le match aussi en vidéo, la caméra n'est pas bien mise. Maintenant, le geste est juste parfait, d'Anthony, parce que c'est un beau ballon et voilà, c'est comme il le dit, ça vient, il vient peut-être de derrière, mais voilà, j'en parle à mon keeper qui lui dit qu'il est hors-jeu, mais voilà, c'est très compliqué, voilà. Maintenant, pour une fois, on a de la chance et il est allumé, donc voilà. Une dernière chose, en général, on obtient aussi beaucoup de renseignements sur l'adversaire à jouer via des collègues coachs. Je ne vais même pas dire quels sont vos meilleurs amis coachs dans la série, mais ça aide aussi de pouvoir s'échanger des infos entre coachs. Alors oui, maintenant, moi je n'échange qu'avec un seul entraîneur de la série. J'ai pas peur de le dire. C'est Jean-Sébastien avec qui Jean-Sébastien Legros de Dizon. Je n'ai pas peur de le dire, il fait partie de mes amis. Mais c'est vrai que je ne dialogue pas avec d'autres, pas parce que je n'ai pas envie, mais c'est ainsi, on discute tous les deux, on se donne beaucoup de renseignements l'un à l'autre, parce que lui a des infos, moi j'en ai. Et voilà, on essaye de s'aider. Maintenant, avec les autres, je n'ai pas spécialement d'infos. Maintenant, je prends beaucoup d'informations sur le net. On a la chance d'avoir maintenant beaucoup de vidéos.
et beaucoup de presse aussi. Et donc, je connais quand même beaucoup de joueurs aussi. Et donc, voilà, je fais beaucoup, mais je fais des scootings aussi. Moi, je vais voir beaucoup de matchs. J'ai été voir 12-13 matchs cette année déjà. Donc, ça veut dire que je me fais déjà ma propre... comment dire, je fais mes infos, je me les donne à moi-même. Et puis, ben voilà, et puis après, on est souvent en discussion avec Jean et on essaye de s'entraider. Il n'y a pas de secret, on l'a toujours dit, on l'assume. Et, donc, voilà. Allez, merci Jean aussi pour ce point pris par oui à Onwe, certainement qui nous a donné un bon tuyau ou l'autre. On avance avec nos rubriques et un petit jingle avant le vrai ou faux. Voilà, on va passer de l'un à l'autre et on va commencer avec Anthony. Je rappelle le principe, une petite affirmation qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, c'est moi qui la donne. Et vous, vous répondez simplement par vrai ou faux. Et on explicitera une ou l'autre de votre réponse juste après le vrai ou faux. On commence avec Anthony. Anthony, je me verrais bien jouer avec Rochefort en B2 à CFF pour terminer ma carrière. Vrai ou faux ? De répondre à cette question, je vais dire vrai. Je ne sais pas. Oui, vous pouvez dire Manu, maintenant que j'ai goûté au coaching en série nationale, je veux y rester les prochaines années. Vrai. Anthony, je n'ai pas de pied gauche. Vrai. Manu, oui, se plaît mieux au Legrand qu'au terrain ou qu'au stade de la Croix-Rouge. Moi, je n'ai connu que celui-là comme entraîneur, donc je vais dire vrai. Anthony, quand on met du rythme dans une partie, j'ai souvent davantage de possibilités pour marquer. Vrai. Manu, je n'avais plus rien à donner à Grasse-Logne. Vrai. Anthony, ma meilleure saison, c'était avec Châtelet-Farcienne. Manu, je serais le plus heureux des hommes en signant un jour pour ou dans le staff de Liège. Vrai. Anthony, j'aimerais finir ma carrière avec Julien Charlier, qui est finalement mon grand pote dans la vie de tous les jours, mais aussi sur un terrain de foot. Vrai. Et Manu, avoir un Papalino dans son 11 de départ, ça aide vachement. Vrai plus que vrai. Oui, parce qu'il faut le dire. Je sais dire le prénom de votre frère, Manu. Fabrice. Fabrice, hein, qui est dans l'équipe, et c'est un peu, j'imagine, votre relais dans cette équipe de oui. Oui, bah, il fait partie, oui, principalement avec Manu de Castries, Jean-Philippe Gérard et Mathieu Delbouille, c'est les quatre qui ont le plus d'expérience, et Fabrice, c'est lui qui a le plus d'expérience. C'est vrai que c'est un peu un relais quand il n'est pas sur le terrain, ça se ressent. Maintenant, l'équipe est importante, mais voilà, il amène toute son expérience de national. Je pense qu'il a plus de 250 ou 300 matchs nationaux et quand il est sur le terrain, ça se ressent tout de suite. Anthony, si on vous a parlé de terminer votre carrière, bon, je suis toujours avec terminer votre carrière, mais vous avez encore bien le temps, hein, il ne faut pas me prendre au pied de la lettre. J'ai parlé de Rochefort, tout simplement parce qu'il y a 15 jours d'ici, chez un de nos confrères, le président de Rochefort vous a nommé et a dit, si j'avais un Anthony Lorenzo dans mes rangs. On sait que ce président-là, ben, quand il veut un joueur, il essaye de l'avoir un jour ou l'autre. Voilà pourquoi on a parlé et vous avez certainement marqué les esprits lors de Honoré Rochefort. Vous aviez sorti un gros match là aussi. Ça vous interpelle? On vous avait parlé de cette interview-là? On me l'avait envoyé, ouais. Mon père qui me suit tous les week-ends. Depuis pas mal d'années, me l'a envoyé. Maintenant, oui, ok, mais pour l'instant, je suis en haut. Je me sens très bien en haut. Et il n'en est pas question pour l'instant.
Oui, et alors je parle de Rochefort parce que là, il y a aussi un joueur que vous appréciez tout particulièrement, hein. On reviendra à Julien Charlier tout à l'heure, qui est votre pote et avec qui vous avez bourlingué dans différents clubs. Mais il y a aussi un certain Lucas Houellebecq, avec qui vous avez joué, je pense, à Rebec et à Charleroi-Farciennes. C'est aussi un donneur d'assist qu'un joueur comme vous apprécie, évidemment. Ouais, Lucas, j'ai joué avec lui pendant 3 ans. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus forts en un contre un avec qui j'ai joué. J'ai pas peur de le dire. Voilà, il a un pied gauche, pied droit. On sait qu'il va faire le crochet, mais il le fait tellement bien que ça passe à chaque fois. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un des meilleurs transferts que Rochefort a pu faire cette année-ci, en tout cas. Oui, et on va quand même parler une toute petite seconde de Onwe, puisque vous avez à Onwe, on pourrait les citer tous, hein, tout le monde est bon à Onwe, en général depuis le début du championnat, mais on a aussi un Thibaut Delplanque, hein, qu'on ne présente plus dans notre jeu et qui donne souvent de bons caviar, et un Aurélien Lambert. Voilà deux joueurs parmi d'autres qui savent bien vous servir aussi. Hein. Ouais, ben Aurélien et Thibaut, ben voilà, je crois que ça fait quelques années aussi qu'ils sont à l'échelon national. Et je crois que voilà, il n'y a pas de miracle. Voilà, c'est deux super bons joueurs et ils ont de la bouteille, comme on dit. Et on a vraiment de la chance de les avoir chaque semaine et dans notre groupe en tout cas. Maintenant, il n'y a pas que eux. On a un super groupe. On a des grands villes, des FG Guilin et voilà des. D'autres de Fresnes, je crois vraiment qu'on a des super bons joueurs. Et donc voilà, on verra comment ça va se passer, mais je crois qu'on est très bien cette année à Onwe. On a fait peut-être un ou deux faux pas, mais je crois qu'on est dans le bon et on va essayer d'accéder au tour final qui est l'objectif du club. Vous avez dit que votre meilleure saison, quand je vous ai dit que votre meilleure saison c'était avec à Châtelet-Farciennes, il dit faux, je crois, hein? Donc ce serait Ouais, j'ai où dit votre faux. meilleure saison? Ouais, j'en ai eu pas mal. Maintenant, je crois qu'il y a Stella Zaventem. Je le dis toujours, je crois que le club de Zaventem, quand on est monté en D2, le club a voulu se mettre au niveau de la D2. À ce moment-là, c'était l'ancienne D2. Il y avait beaucoup d'efforts financiers à faire, des nouvelles tribunes, des éclairages à mettre en ordre, etc. Et je crois que le président à l'époque s'est mis un peu dans le rouge. Et quand on est monté en D2, à partir du mois de novembre, il a arrêté de payer. Et là, ça a été compliqué. Mais un club comme Zaventem, avec un mélange de joueurs flamands et de joueurs wallons, je le dis toujours, les infrastructures, moi, j'aurais pu signer 5-6 ans là-bas sans problème. Et malheureusement, ben voilà, il y a eu ce problème de financier qui, maintenant, je crois qu'ils sont en P2 ou en P3. Mais je crois que, je veux dire, dans les plus belles saisons, il y a celle-là aussi, à Woluwe-Zaventem, dont celle-là. Oui, tout en sachant que vous avez été blessé, hein, vous êtes rarement blessé. Là, vous aviez une blessure au cinquième métatarse. C'est la seule année où vous avez eu une blessure sérieuse, Anthony. Ben, c'est un peu le point noir de ma carrière. J'en ai pas eu beaucoup, mais celui-là où je terminais avec 21 buts. Titre de champion et à l'entre-saison je me suis fracturé le cinquième métatarse et je suis arrivé en prépa ben blessé et j'ai dû me faire opérer donc j'ai raté les 13 premiers matchs de championnat alors que je sortais d'une énorme grosse saison donc voilà et je crois que je marque 10 goals malgré ça dans l'ancienne D2 avec je crois que j'ai raté les 13 premiers donc voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Dans la vie d'un joueur de foot, ben voilà, il y a des moments où c'est un peu plus délicat et malheureusement, c'est jamais au bon moment. Oui, mais vous avez bien rebondi, hein, et c'est pas terminé cette carrière, j'insiste, hein, même si j'ai parlé parfois de fin de carrière. Manu, Ouais, tu parles plus de la fin de carrière que rapidement. de. Oui, c'est juste. Donc on va parler de la suite de la carrière maintenant. Promis, on ne parlera plus de fin de carrière, Va. Anthony. Je sais que vous avez encore plus que de beaux restes. Manu, juste une chose. Quand j'ai dit que vous seriez le plus heureux des hommes en rejoignant un jour le staff de Liège, pourquoi cet attachement à Liège alors que vous habitez Serein et que je sais que vous aimez bien le Standard aussi?
Pourquoi Liège? Parce que j'ai fait toutes mes classes à Liège. Donc, quand j'ai commencé à l'âge de 5 ans, j'ai commencé d'abord à Tilleur pendant 3-4 ans. Et puis après, il y a eu cette fusion avec Liège à l'époque. Et puis, ben, de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 19-20 ans, j'étais liégeois jusqu'en équipe première. Et Liège est dans mon cœur. Donc, Liège a toujours fait partie de c'est mon club. Et donc voilà, quand tu me poses cette question-là, ben, c'est un attachement. Et donc, je n'ai rien contre le Standard, rien du tout. Maintenant, voilà, j'aime bien le club du Standard, mais c'est Liège, c'est le football club liégeois, mon club. Et donc, quand j'étais plus petit, j'allais voir les matchs avec mon papa aussi, à Recours à l'époque. Donc, voilà, Liège, c'est mon club et je n'ai pas peur de le dire. Même si, même si tu, voilà, tu me poses cette question-là dans le futur, maintenant, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai envie de m'installer sur le long terme avec oui, mais parce que voilà, c'est ma première expérience et c'est grâce à eux si je suis là. Donc, voilà, donc je ne le remercierai jamais assez, mais Liège fait partie des clubs de mon cœur. Voilà. Manu, regarde un peu au bas de l'écran, Carlos Fofana, Papalino, le coach le plus sous-coté de la nationale, le Simeone de la Détroit ACFF. Ben voilà, ça fait toujours plaisir. J'imagine que c'est un ami, Carlos, Non, c'est là. pas. Je connais, mais voilà. Non, ça me fait plaisir. Maintenant, c'est ma première année avec oui, avec comme tu le sais bien, avec les transferts qu'on a réalisés avec le staff. Je vis des super beaux moments, des moments stressants aussi, parce que c'est nouveau à ce niveau-là pour moi de coacher. Mais voilà, on fait un bon début de saison et je pense qu'on est à la place où on est, même si on déploie un beau football et Revenir, Manu. oui. Pardon? On va y revenir, Ah, on pardon. va y revenir, on va avoir la question pour vous. Non, non, mais c'est très bien, j'aime bien quand on parle beaucoup. Une petite réaction aussi pour Anthony qui vient du gardien du Pas de Buzet aujourd'hui, j'hésitais puisqu'ils se sont connus à Rebec. La voici, la voilà. Bon, c'est juste pour le fun, hein. Damien Lahaye, le pied gauche d'Anthony, il sert à faire la farandole à la buvette de Rebec. Donc, vous faisiez plus vite la farandole à Rebec qu'à Rouen, Anthony. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Je crois qu'il y avait une super belle ambiance à Rebec et il y en a une super belle ici à Angers aussi. Donc voilà, moi je ne me cache pas, je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête après les matchs. Donc oui. Mais ben, vous pouvez le dire aussi, aujourd'hui on fait quand même un peu attention, un peu beaucoup attention hein, avec la COVID. On ne peut plus faire n'importe quoi. Hein, de temps en temps, on y pense, j'imagine. Hein. Bah oui, forcément, on fait attention, on reste un peu moins tard et on fait attention à tout ça. C'est bien dommage, mais bon, voilà, il faut faire Ouais. avec. Allez, n'oublions pas qu'on a un concours et qu'on a un super survêtement ou le sport à vous faire gagner. Et vous pouvez répondre autant de fois que vous voulez. Regardez cette question, elle apparaît au bas de votre écran. Quel est le nombre de buts inscrits lors de la 13e journée en D3 à CFF Série B? Et j'ai donné l'indice, je le répète, on n'est pas arrivé à 30, mais on n'en est pas loin. Voilà, vous pouvez un peu consulter aussi les journaux. Il vous reste allez, un petit quart d'heure avant la fin de cette émission, avant qu'on désigne le gagnant. On avance et on arrive dans la rubrique Pourquoi? Alors, on va commencer avec Anthony à ma gauche ou à ma droite. Je ne sais pas, voilà, il va apparaître ici quelques instants. Anthony, pourquoi ce 0-0 samedi soir? Ben pourquoi? Parce que oui, il a fait une belle prestation, tout d'abord. Je tenais à le souligner. Ben, je crois qu'il y a un goal annulé. Ben, on va en reparler aussi parce que pour moi, il est valable. Ou alors, enfin, voilà, ça se joue à quelques millimètres. Il y a un hands en fin de match dans le rectangle où là, je crois qu'il y a pénalty 100 fois. Maintenant, comme on en discutait juste avant, ben, il y a la carte rouge de Dibikembi. Voilà, je crois qu'il faut pas se le cacher et je crois que les images le montrent. Il y a quand même une carte rouge et je crois qu'il a voulu compenser en fin de match en ne donnant pas le comment je veux dire le penalty. Mais ça fait quelques semaines, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que pour l'instant on ne trouve pas le on ne trouve pas le comment je veux dire le on marque moins facilement, j'ai envie de dire, et on se crée un peu moins d'occasions. Bah, ici samedi parce que voilà, Louis a bien joué le coup. Et on n'arrivait pas à jouer à
aller à toucher le aller trouver le décalage. Et donc voilà, c'est je crois que le 0-0 est logique, même si on a un petit goût de trop peu. Mais voilà. Alors, on n'a pas trouvé la clé, c'est peut-être le mot que nous n'avons pas entendu. Manu, pourquoi ce 0-0 samedi soir? Comme je pense, comme Anthony vient de le dire, on avait fermé boutique, comme on dit. On avait contré tout ce qui pouvait se passer pendant le match. Comme je dis, j'avais analysé avec mon staff, comment dire, les matchs d'Oé. Je savais comment il y avait les déplacements qui se créaient, etc. Je connaissais la plupart des joueurs, leurs déplacements, et ils n'ont pas su trouver la faille. Je savais comment il fallait les mettre en difficulté. Et voilà, mes joueurs ont bien respecté les consignes. Comme je dis, ça a fonctionné. Maintenant, il y a des détails de match qui font que ben, je peux comprendre que Oé est déçu. Mais voilà, je pense que le nul est vraiment très logique sur ce match. Anthony, vous avez déjà partiellement répondu, mais on revient, on insiste. Pourquoi n'avez-vous pas marqué samedi soir? J'ai marqué, mais il est annulé. Mais non, je crois Très bonne que réponse. parce que j'ai un peu moins de ballons que d'habitude, mais ça n'est pas vraiment ça là. Parce que voilà, je crois que ils étaient bien regroupés derrière. Voilà, à chaque fois il y avait quelqu'un pour bloquer nos centres et donc ils ont bloqué vraiment à la source. On a eu des temps forts et on n'en a pas en profité. Donc ben forcément voilà, c'est un peu frustrant pour moi parce que j'aime pas quand je ne marque pas, ben, j'ai l'impression de faire un mauvais match et voilà. Le week-end a été moins bon, Anthony. Pardon? Le week-end a été moins beau, moins Ouais, bon. ben, forcément. Moi, quand je marque pas, même, ouais, quand on gagne, tant mieux, mais voilà, quand on fait un 0-0 comme ça et quand je ne marque pas, ouais, c'est compliqué. Manu, Oui. pourquoi on avait voulu un peu à JB Kembi, dont oui. J'en ai pas voulu au joueur directement. Je l'ai dit, le joueur, ben voilà, je pense que Kembi n'est pas un joueur méchant à la base, mais j'en veux plus, comment dire, je ne devrais pas le dire, mais voilà, je suis un peu frustré que le joueur n'a pas pris la carte rouge, parce que comme je dis, c'est même pas une carte rouge, c'est Bordeaux. J'ai rarement vu une faute ainsi. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas par rapport au joueur. Mais voilà, si vous regardez les images sont même les gens dans le stade ont eu un moment de frayeur parce que le contact a été vraiment très important. Et donc, j'en veux pas spécialement aux joueurs, mais voilà, le corps arbitral, je pense que là, comme je dis, c'est rouge, Bordeaux, plus que Bordeaux. Et à côté de ça, ben, il prend jaune. Et l'entraîneur le sort à la mi-temps. Donc, je pense que le staff d'Oé s'en est rendu compte aussi. Oui, bon, c'est une faute tout à fait malencontreuse, c'est quand même pas intentionnel. JB Kembi est un joueur propre, c'est pas du tout dans son style, ça. Non, justement, je ne dis pas que c'est intentionnel parce que justement, c'est pas un joueur méchant. Je pense pas qu'il a. Je suis même certain qu'il ne l'a pas fait exprès. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis même persuadé. Mais le contact est quand même là. Donc, le contact a été surprenant. Et voilà. Donc, là, il doit prendre rouge. Et je pense que même lui pensait qu'il allait prendre rouge. Donc, voilà. Même s'il ne l'a pas fait exprès, même s'il ne le fait pas enfin, dans l'intention de faire mal, ça, c'est sûr. Mais le tacle est vraiment impressionnant. C'est donc. Ah, Manu, vous nous entendez là? Oui, très bien. Oui. Ouais, ben juste des nouvelles, c'est ça le plus important aujourd'hui de votre joueur, ça va? Pas de problème. Bah écoutez, il a dit il va devoir passer une radio. Il a vu le doc aujourd'hui. Il a un petit problème au niveau de la hanche et du bassin. Donc, il y a peut-être une fissure. Voilà. Lui dit que ça va. Mais voilà, on va d'abord faire tous les examens pour être sûr. Mais il ne savait plus poser le pied hier soir. Aujourd'hui matin, ça allait mieux. Donc, on attend vraiment les résultats. Mais voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Oui, ben, on le répète, hein, c'est un geste malencontreux. Connaissant le joueur, ça ne peut être que ça. Et connaissant le club de Wey, ils sont un petit peu ennuyés avec cette histoire. On ne va pas s'étendre. Et je pense qu'ils sont les premiers à s'excuser pour ce geste malencontreux, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, ben comme tu l'as très bien dit, voilà, JB n'est pas un joueur méchant, pas du tout. Je crois bien que c'est une des premières fois où il a taclé de sa carrière. Mais ouais, comme moi, j'ai un peu parlé avec lui après, et voilà,
il s'est un peu élancé, il a un peu glissé, et c'est ce qui fait que le choc était un peu impressionnant, on va dire. Maintenant, voilà, c'est le foot, c'est des choses qui arrivent, même si ça ne doit jamais arriver. Mais bon, voilà, j'imagine qu'il va lui envoyer un petit message pour s'excuser. Oui, si je peux me permettre, je sais que le joueur a été trouvé mon joueur à la mi-temps pour s'excuser. Donc voilà, je suis quand même content de qu'il l'ait fait. Voilà, je tenais à le dire. Sporting de Charleroi. Je ne t'entends Ah, plus, apparemment, Philippe. ouais, petit problème de connexion. Je reviens. Pourquoi n'avez-vous pas de trou au Sporting de Charleroi? J'ai été ben, jusqu'en espoir. À l'époque, j'étais peut-être un peu trop frêle pour prétendre quelque chose à ce niveau-là. À un moment donné, on m'a dit que. Enfin, un des dirigeants à l'époque m'a dit qu'il ne savait pas s'ils étaient un 9 ou un 9,5. Donc, je crois que physiquement, j'étais peut-être pas encore au top. Et voilà. Donc après, j'ai su rebondir en D2, en D3 à l'UR Namur. Et après, voilà, j'ai fait mon trou là-bas. Mais je crois qu'à l'époque, c'était peut-être un peu trop tôt pour moi. Manu, pourquoi n'avez-vous pas encore signé au RFC Oui pour 2022-2023? Mais on est fort tôt, mais comment de toute façon, je suis à Oui et je vais rester à Oui. Ça, c'est une chose certaine. Donc oui, je ne, on va, on ne s'est pas encore vu, mais avec les dirigeants, mais on a décidé quand on a signé ensemble de travailler sur le long terme. Et je suis un garçon de fidèle. Pas quand j'étais joueur, mais en tant qu'entraîneur, je suis fidèle. Et comme je l'ai dit, je le répète, c'est le club qui m'a donné cette chance. Je veux le rendre. Et donc, voilà, j'espère, de toute façon, ben je crois au sauvetage parce que c'est l'objectif principal. Mais voilà, je suis bien, oui, et ça va se faire incessamment sous peu. Il y a eu l'arrivée, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu l'arrivée d'Alain Rorif qui va venir aussi dans la structure du club. Et donc, on va se voir tous ensemble avec la direction et le staff pour remettre quelque chose en place. Maintenant, voilà, comme je dis, c'est compliqué maintenant parce qu'on n'est pas là au jour d'aujourd'hui sauvé. Donc, si on veut construire quelque chose pour l'année prochaine et même avec le noyau actuel, il va falloir qu'on prenne. Je vois des messages de Mathieu Delbouille, c'est pour ça que je souris. Mais on va se voir rapidement et ça va se mettre très rapidement en place pour qu'on continue l'aventure ensemble. Vous allez peut-être le perdre, hein, ah merde, tu prolonges. Et on aime bien se taquiner. Anthony, pourquoi Onwé a été balayé à Ostende? Ouais, balayer, je crois qu'il y a une différence de niveau, et il faut pas se le cacher, ça allait beaucoup trop vite. Physiquement, c'est autre chose. Ils s'entraînent 8 à 9 fois par semaine, nous 2 à 3 fois. Ben voilà, il faut pas se le cacher, ça a été difficile. On a mené un 1-0, ben voilà, je crois qu'ils sont vite revenus dans la partie. C'était quoi, je crois que 4-1 à la mi-temps, donc ça allait. Et puis là, la carte rouge nous a mis un peu dedans. Donc ça a été. Les 30 dernières minutes ont été compliquées pour nous. Mais voilà, je crois que c'était une belle expérience. Et je crois que malgré le 8-1, on a quand même fait une belle figure. Même si voilà, le score était un peu dur. Mais c'était une belle expérience pour tout le monde, pour le club. Vous allez dire que je me provoque un petit peu aujourd'hui à balayer. C'est un terme trop fort pour Onwé. C'est vrai que le score pourrait le laisser penser, mais on va retenir tout le parcours de cette année, de cette saison en Coupe de Belgique de Onwé. Et c'était vraiment un très très beau parcours. C'est ça le principal. Manu, pourquoi Oui n'a-t-il gagné que 3 fois jusqu'ici? C'est encore une fois une question compliquée. On a gagné 3 fois. Maintenant, on a été battu 6 fois avec un but d'écart. Donc, je le dis, je le répète, on manque un peu d'expérience, on manque un peu de maturité des fois. J'ai un groupe très très jeune et c'est les petits détails qui font la différence. Voilà, je pense que si on doit grandir vite en fait. Et donc il y a des joueurs de 18, 19 ans qui n'avaient jamais joué en national, qui font un très beau parcours pour l'instant, mais ces petits détails-là, ben, ils font qu'on perd un but. Et donc on fait partie de la des meilleures défenses de la série.
On a encaissé 14 buts en 13 matchs, dont 6 pénaltys. Donc, c'est quand même quelque chose d'étonnant, mais ça fait partie de la maturité et de l'expérience que mes gars doivent acquérir rapidement. Mais voilà, mais il faut quand même retirer vraiment le positif parce que même si on a fait que 3 victoires, à côté de ça, on a dérangé beaucoup d'équipes et les entraîneurs et avec qui je communique, les entraîneurs du top me disent souvent qu'on les embête et qu'on fait partie des belles équipes de la série et ça me touche et je suis très content pour mes joueurs, ils le méritent et pour le club aussi bien sûr. Bon, vous n'avez gagné que 3 fois, mais il y a encore que 12 matchs de jouer. Il en reste 18, Manu. Hein, bon, on peut remonter très vite. On termine le cinquième pourquoi hein, à chacun. Anthony, décidément, je me rends compte que je vous titille un peu beaucoup aujourd'hui. Pourquoi Couvin-Marienbourg ne vous a pas gardé, pas conservé? Je crois que c'était un choix du club. Ils ont clairement... dit qu'il voulait continuer avec des plus jeunes après le Covid. Et donc, voilà, je crois qu'il fallait un peu... Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que je me suis retrouvé, par la force des choses, à Onoué. Et j'en suis très content. Je m'épanouis très bien dans ce club et j'en suis très content. Manu, pourquoi oui ne sera pas concerné par le maintien cette saison? Je pense qu'il sera concerné par le maintien parce qu'on va se maintenir. Voilà. Donc, on va se maintenir parce qu'on le mérite. Donc, j'ai toujours dit que je voulais laisser trois équipes, voire 4 équipes derrière moi. Enfin, derrière nous, pardon. Et on va se maintenir parce que tout le travail qu'on met en place, il ne peut faire que payer. Donc, je ne me vois pas du tout en PA l'année prochaine. Et donc, on va tout faire avec le staff, le club. Pour arriver à cet objectif-là parce qu'on ne peut pas, avec les résultats qu'on fait, avec ce que j'ai vu depuis le début de saison, descendre en première provinciale. Allez, pour le moment, vous êtes barragiste. Hein, c'est une situation qui ne devrait pas trop durer, enfin, que vous espérez qui ne durera pas trop. Et on voit que plus haut, parce que c'est important, s'il y avait un descendant francophone de National 1, eh bien, la Louvière-Centre va un petit peu mieux, elle prend des points. Donc, cette place que vous occupez aujourd'hui, peut-être qu'elle ne sera même pas, synonyme de concerné par la descente. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, et aussi de quitter, évidemment, cette place. Je rappelle que le concours est toujours d'actualité. On arrive dans la dernière partie de l'émission, donc si vous voulez gagner cette belle veste plus le pantalon, eh bien, il suffit de répondre à cette question. Quel est le nombre de buts inscrits lors de la 13e journée en D3 CFF Série B? Voilà, ça me permet aussi de rappeler qu'on a déjà 2 vainqueurs depuis le début de ce concours Ouls, que tout le monde sera servi pour les fêtes. Un peu de patience donc, et n'oubliez pas d'envoyer votre réponse d'ici la fin de l'émission. Un jingle et la dernière rubrique. Voilà, on va terminer par du plus léger, du plus fun. Voulez-vous jouer? Je rappelle que pour le moment, il faut battre le score parfait, je vais dire, de Pascal Bérangeon, l'entraîneur de Solières en D2 à CFF, qui a fait 5 sur 5. C'est un peu un questionnaire qui nous permet de voir si vous attachez de près à toutes les infos de votre série D3 à CFF Série B. Allez, on commence avec Manu cette fois-ci. Manu, quel est le premier descendant direct de la Division 3 à CFF Série B? Premier descendant actuel. Le premier descendant. Donc le dernier, vous voulez ça? C'est ça que tu me dis, Philippe? Non, c'est le premier descendant en partant du haut vers le bas. Vous savez qu'il y a 3 descendants, donc quel est le premier descendant actuel, l'équipe qui est juste derrière vous? C'est EY. Non, c'est... Le Bazoa, pardon. Vous perdez le point. Ah non, trop tard, vous avez dit EY. Donc c'était Wons Bazoa. C'est Bazoa, pardon. Est juste derrière avec Goury. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est Bazoa. Allez, voilà. Anthony, quelle équipe a le moins encaissé dans cette division 3B? Je dirais Rochefort. Eh
bien, figurez-vous que c'est Moé, votre équipe, qui a encaissé que 11 buts. Je crois que je vais me faire tuer par Lio. Je le savais, ça, je ne peux pas prendre le point. Comme je le savais, je ne peux pas prendre le point. Non. Allez, c'est maintenant pour vous, vous êtes à 0-0. Herstal est-il avant Richel au général, Manu? Oui ou non? Oui. Eh bien, non, figurez-vous. Même si je peux vous donner un demi-point. Pourquoi? Écoutez, parce qu'ils vous donner un demi-point, ils ont 20 points, je pense. Ils ont 20 points. Oui, ils sont à égalité. Ils sont à égalité, 6 victoires aussi chacun. Mais ouais. Au goal average, Herstal est juste un peu devant. Et j'ai envie de vous donner un demi-point quand même. Allez. Oui. Anthony ou Akwasi? Oh. Et on est je sais pas, aussi ça. Manu. C'est normal, je dirais, c'est une équipe Ah oui. Herstal? Presque, c'est Ewai. Voilà. Manu, ne riez pas trop. On va voir si vous connaissez bien les autres joueurs des autres équipes. Où évolue Cyril Paul? Je le sais. Dites-le nous. Vous restez... Oui, trop d'infos. Tu l'info. Oui. Allez, lancez-vous. N'importe laquelle. Je vais dire une bêtise, mais AB, mais c'est pas ça. Non, c'est Jodogne. Ah oui. Jodogne. C'est vraiment très mauvais. Hein. Non, mais c'est pas toujours facile. Hein. Quand on a les réponses devant soi, c'est plus facile, évidemment. Hein. Anthony, alors, ça, c'est pas facile non plus. Qui n'a pas perdu dans la deuxième tranche? Une seule équipe. Et c'est même, je ne vais pas dire surprenant, hein. C'était une équipe que je citais souvent comme favorite et qui n'est pas tout à fait dans les premiers, mais qui remonte au classement. Et c'est la seule équipe à ne pas avoir perdu dans la deuxième tranche. On a fait trois matchs. Dison vient de perdre, Primon vient de perdre. Nous, pareil. Je dirais à Bélaneuf. Eh bien, le voilà le point. C'était bien AB, ouais, 7 points sur 9. Et figurez-vous que je ne peux pas vous donner un point. Je dois vous donner un demi parce que, enfin, il y a deux équipes qui n'ont pas perdu. Figurez-vous que le dernier, Gouvy, n'a plus non plus. Ils sont à 5 sur 9. Donc voilà, vous êtes à un demi-point tous les deux. Alors, quelle est la plus mauvaise attaque de la série, Manu? La plus mauvaise. Oui, laissez-moi réfléchir. La plus mauvaise attaque de la série. Bon, on ne doit pas être loin, nous. On n'a pas très beaucoup marqué. Je pense. Attendez, j'ai une petite seconde là. Attendez. Quoi? Oui. Pourquoi? Je vais dire nous. C'est vous bien. M'entendez? Un et demi. Oui. Je vous entends pas. Ouais, c'est nous. On a marqué. Voilà. Ouais, on a marqué 13 buts. Donc, c'est nous. Oui, c'est là. Voilà, ben voilà, c'est la plus mauvaise attaque de la série. Vous savez ce qu'il reste à faire. Peut-être transfert. Hein, peut-être en janvier, Anthony Lorenzon. Hein, on va imaginer une nouvelle règle. Il est le bienvenu. Voilà. Merci. Alors, Anthony, justement, ben, quel est le meilleur buteur du moment dans cette série des... Je crois que c'est moi avec 12 et il y a peut-être celui de Rochefort, Lambert, c'est possible? Allez-y. Ouais. Bah, je crois que c'est moi. Non, allez, quel est le meilleur buteur? Allez, voilà, vous avez ce point. Oui, vous êtes toujours en tête avec 12 buts. Et derrière vous, ils sont 3. Wanderson de Herstal, 11 buts. Lambert de Rochefort, 11 buts. Et qui revient fort aussi, qui est le but. Hein. Mais pour le moment, vous êtes toujours sur la première marche du podium et vous prenez le point également. Allez, on termine en beauté tous les deux. Manu, quel a été le résultat de Jodogne-Raren? Jodogne-Raren, 2-3. C'était hier.
C'était hier. 1-3. Allez. 1-3. Oh là là. Pas mal. 1-3 que c'était. Allez. Et alors, question difficile, décidément. Pas beaucoup de chance avec mes questions non plus du côté d'Anthony. Comment s'appelle le nouvel entraîneur de EY? Je suis sûr que Manu le connaît. Mais ouais. Bon, si vous le trouvez, je vous donne un bonus, hein, Anthony. Je suis incapable de répondre. Parce qu'il y a eu un changement, ce n'est plus Fabri. Voilà, on va voir si Manu connaît. Incapable, je ne saurais pas répondre. Pas possible. Non, non, je n'ai pas, pas attention à ça. Non. Eh bien, le nouvel entraîneur de EY s'appelle Jean-Michel Hummels. C'est Hummels l'entraîneur. Hummels. Ouais, exact. Bon, écoutez, peu importe votre score, vous avez quand même pas trop mal joué. Vous n'avez pas 5 sur 5 qui vous auraient qualifié pour le super questionnaire du printemps prochain avec Pascal Bérangeant. Mais en tout cas, ben voilà, c'est pas mal quand même. Vous n'êtes pas resté à zéro. Hein, vous avez pratiquement la moitié des points. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Bon, allez, tout doucement, on arrive à la fin de cette émission. Juste très rapidement, les deux, Anthony, quel est le match que vous attendez encore avec impatience dans cette division D3B? Pour le fun. Pour le fun, ouais, je vais dire le match contre oui, on va dire. Pour la revanche. Allez, on pose la même question à Manu. Pour la revanche, ouais. Et Manu? Ouais, moi j'ai pas de revanche parce que voilà, moi je suis content avec le point, mais je me réjouis de voir mon ami Jean-Sébastien parce que voilà, aller chez eux, ça va être encore un beau défi pour nous, pour mon équipe. Mais voilà, je me réjouis de le voir et j'espère sincèrement qu'il va aller au bout de ce championnat parce qu'il mérite et pour moi il fait partie des meilleurs entraîneurs de la division 3. Donc j'espère qu'il va aller au bout et j'espère que même si j'aime beaucoup Owe, mais voilà, j'ai vraiment une attache pour Jean-Sébastien, pour son club. Donc j'espère qu'il va aller au bout, j'espère qu'il sera champion pour monter en division 2 amateur. Jean-Sébastien Le Gros, évidemment, hein, c'est de lui que vous voulez parler et qui est l'entraîneur de Dizon, hein, près de Verviers. Voilà, eh bien, on va maintenant procéder au tirage au sort pour notre concours et du vainqueur du jour. La bonne réponse, vous avez une petite idée, Anthony, vous savez plus ou moins combien on a marqué de buts ce week-end dans votre série? J'ai dit vu l'indice que tu as donné. Quel serait votre chiffre? Vu l'indice que tu dis, je crois que je dirais 29. Parfait. Vu l'indice, je dirais 29. C'était la bonne réponse. C'est parfait, c'est 29 buts. Donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui a donné le bon chiffre. Et le gagnant est M. Esteban Goderno, qui a donné la bonne réponse. Et je peux vous dire que c'est une main complètement innocente qui a procédé au tirage au sort, qui nous attend, qui est derrière cet écran, mon technicien. Et voilà, on ne va pas dire qu'il connaît le monde du foot de la D3A. Série B sur le bout de pas de parti pris et voilà donc le vainqueur il nous envoie un potage via Footnet avec ses coordonnées qu'on puisse prendre contact avec lui et lui dire comment il aura ce cadeau, hein, et on reprécise à tous les premiers vainqueurs que tout le monde sera servi encore cette année pour les fêtes. Anthony et Manu, on vous souhaite une très agréable soirée. Merci d'avoir passé le début de soirée avec nous. Bonne suite de championnat et à bientôt. Au revoir. Un grand merci.